Alors normalement on doit retourner à l'espèce de fontaine là, la source. Mais je peux pas m'empêcher d'aller zioter. Ok, il y aura un autre chemin par là-bas, je pense que c'est la suite. On verra ça. Te revoilà, Nash. Est-ce que tes amis ont obtenu leur autorisation? Bien sûr, la voilà. Merci, Nash. Je suppose que tu as parlé à tes amis de l'épreuve. Les amis, avant d'aller à Vayne pour la première fois, vos pouvoirs magiques seront testés dans la grotte de l'épreuve. C'est un examen d'entrée pour empêcher les prétendus magiciens d'entrer à Vayne. À présent, je dois vous laisser. Quoi? Tu ne viens pas avec nous, Nash? Je suis un apprenti de Galéon, tu te souviens? Je suis un homme très occupé. Ne vous inquiétez pas, je suis certain que vous en sortirez. Je vous attendrai à la guilde des mages, bonne chance. Oh le sale traître. Salut Omikami, ça va? Alex, tu n'y connais rien en magie, alors comment on va faire? Alex est fort à l'épée et je peux utiliser mes champs. Tout ira bien, Nol. Allons-y, Alex. Vayne nous attend. Ouais, enfin, quand même, quoi. Si vous souhaitez rejoindre la guilde des mages, placez-vous au milieu du cercle magique. Vous serez transporté à la grotte de l'épreuve. Seules les personnes se montrant dignes de passer l'épreuve sont admises à Vayne. Ton truc de sataniste là? Bienvenue dans la grotte de l'épreuve. Ce labyrinthe est un lieu sacré où les capacités magiques des individus sont mises à rude épreuve. Ainsi, toute utilisation d'objets de guérison ou autres est interdite. Vous devrez survivre en utilisant uniquement vos capacités. Lorsque vous serez sorti de la grotte, l'épreuve sera terminée. Ah ah! Sans objet? J'aime pas trop beaucoup ça. Ah mais lui, il nous régène. Oh mais c'est bon alors. On fait un combat, on régène. Et on continue quoi. Ça va super pas bien du tout et toi? Carrément. Non, moi ça va super mec. Quoi? T'as fait une journée arrosée? C'est les soirées arrosées, mais les journées arrosées... C'est rude, non? Alors, est-ce que ça marche si je fais ça, par exemple? Ah ah! Attends, le vieux, il se téléporte ou... Ah non, c'est pas le même! C'est le nom de mon ex, c'est Briatas. Non, je cherche pas de bêtises à dire. C'est pas mon genre. Non, non, vraiment, j'ai pas de bêtises. Je rigole dans ma barbe.
Oh mais son nul, c'est nul son attaque, ça, ça touche jamais plein d'ennemis. Par contre lui je sens qu'il est méchant. On va le taper fort mal. N'empêche l'autre nage là, je lui ai acheté un beau bâton, première chose qu'il fait c'est qu'il se barre de l'équipe. La voilà la reconnaissance. Ça paye ici. Thune. Je savais que c'était des méchants ceux-là. Salut Kuro, comment ça va? À partir de maintenant, ça va commencer à se corser. Vous feriez mieux de vous y préparer. Je peux guérir vos blessures une seule et unique fois, si vous le désirez. Pas encore. On va essayer d'utiliser une technique ancestrale qui consiste à revenir au début pour se faire soigner par l'autre. Parce qu'on est des gredins. Moi ça va super. Pourquoi il veut nous soigner une unique fois? Sachant qu'il y a, son pote à l'entrée qui nous soigne non-stop. Il suffit juste de faire le chemin quoi. C'est qui ceux-là? C'est des dresseurs Pokémon hein? Il a dit que les compétences ça marchait, donc normalement je peux quand même utiliser le soin de Luna. Nettoyer la zone. Hein.
Et juste pour ça, et pas un petit passage secret. Pas apparemment. Bon, encore une fois, ça touche qu'une seule cible, donc ça vaut pas le coup. J'ai du bol là, je les esquive toutes. Encore un coffre que je vais pas pouvoir ouvrir. Je me méfie de celui-là là. Du coup c'est barré. On sait pas où il est parti. Hein. Ça m'arrange quand ils font ça en fait. Au moins ils tapent pas. J'ai entendu que tu laissais un coffre fermé. Non, malheureusement, je peux pas l'ouvrir. Sinon, tu sais très bien qu'il serait déjà ouvert. Avant même que je l'eus vu. Hello Ryo-san, comment ça va? C'est bien ça. C'est même très très bien. Ça va, j'ai suivi le début sur mon portable. Ouais, ils sont vraiment pas radins en thunes dans ce jeu. Le petit 400 silver. C'est le bienvenu. Hop. Est-ce que j'aurais pas raté un passage? Non, peut-être pas.
J'ai posté le tout début de notre trad de Lunar 2 sur notre compte Insta. Je sais pas si tu as vu, j'ai pas de compte Insta. Je sais pas si j'en ai besoin d'un d'ailleurs pour regarder les publications. Si j'en ai pas besoin, je regarderai du coup. Eh, hey, vous êtes des petits nouveaux. Je peux vous aider à sortir d'ici si vous voulez. Tout ce que vous avez à faire, c'est demander. Alex, s'il est aussi malin, pourquoi est-il encore là? Ne lui fais pas confiance. Un bandit? Je ne pensais pas que ce serait aussi compliqué que de vouloir étudier la magie. Il n'y a pas de doute, il faut beaucoup de courage et de persévérance pour être capable d'apprendre la magie. C'est ça, si j'apprends à être courageux et persévérant, je disposerai de toutes les clés pour apprendre la magie. Je m'épate moi-même. Les monstres du prochain palier de la grotte sont beaucoup plus forts que ceux que vous avez affrontés jusqu'à présent. Avez-vous besoin d'un petit rafraîchissement magique pour la dernière étape? Non. Mon offre tient toujours. Revenez me voir si vous avez besoin de soigner vos blessures. Mais est-ce que c'est un rafraîchissement unique cette fois? Il n'a pas précisé. Tiens les... D'accord. Les monstres en respawn... je crois. Puisque c'était un endroit où j'étais déjà allé. On m'avait dit que cette grotte était déroutante, mais je n'abandonnerai pas pour autant. Je vais devenir un grand magicien et rendre mes parents fiers de moi. Je suis sûr qu'ils le sont déjà. Tu vas mourir, ouais? Salut, j'en ai ma claque de cette grotte, impossible de trouver la sortie. Tu pourrais pas envoyer en repérage ton incroyable chat volant? Et puis quoi encore? Et d'abord, je ne suis pas un chat. Bon sang de bonsoir, ton chat ne fait pas que voler, il sait parler. J'ai jamais vu ça. Non, on sait que c'est pas un chat. D'ailleurs, il y a du gros spoil dans la cinématique d'introduction. Et alors, à quel point on est dans le mal? Ben, on l'est pas du tout, en fait. Hein. Par contre, il a dit qu'ils allaient faire beaucoup plus mal. Ouais, faut pas regarder l'introduction si on veut, si on veut pas se faire spoiler. Ouais, celui-là, je suis obligé de faire ça. Mais est-ce vraiment lui? Quand même, hein. En fait, je me suis posé la question. C'est vrai qu'on n'en est pas absolument certain. Si c'est pas lui, il y a quand même un lien de parenté, je crois. Plein de chemins ici. Oh là. Ah, c'est le dragon de tout à l'heure. Il me fuit à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il faut que je l'attrape. Je vais le coincer. Salut les aventuriers. J'erre dans cette grotte depuis que j'ai commencé l'épreuve. Et je n'ai pas trouvé le moyen d'en sortir, alors je me suis habitué à vivre ici. Réussir un jour l'épreuve est le dernier de mes soucis. Ne perdons pas espoir, Alex. Genre le gars il dort ici, il mange ici.
Faut que j'arrive à le latter avant qu'il se barre, mais je crois qu'il va se barrer quand même. C'est quoi, c'est un ennemi rare ça? Ah, ils sont encore barrés. Bon, je vais quand même aller voir le vieux pour régène, je crois. Même si j'en ai pas vraiment besoin. J'espère juste que ça va pas respawn. Non, c'est bon. N'hésite pas à reparler plusieurs fois, tous ceux que tu croises. Ah ouais, tu m'avais dit, ouais. Ah, encore ces groupes. Impeccable. Ce qui est chouette dans ce jeu, c'est que le fait d'endormir les ennemis, ça nous permet de faire davantage de dégâts sur eux. Donc il y a une double utilité. Merci Kendoza, bonne soirée. Alex, t'as vu ça? Cette chose nous bloque la sortie. Vaincre cette créature doit être l'épreuve finale. Sans doute. Ça va encore se barrer, ça. Mais évidemment. Waouh! Ok. On dirait qu'on ne va pas avoir d'autre choix que de le vaincre pour pouvoir avancer. Allons-y, Alex. Oh, c'est rien de plus qu'un gros champignon. Commence bien tout ça. Waouh! Le cumul est assez intéressant. Ah,
Je peux vérifier les soins par contre. J'ai un peu déconné grave. Ah mais non, les objets de soins, j'y ai pas le droit. Donc le problème il est réglé. Ah non. Non, c'est pas bien ça. C'est risqué. Ouais. Je sais pas combien de temps ça va durer. C'est pas fun ça. Ok, c'est bon. C'est mon dernier skill là. Ça tienne. Oh bah ça va. La portée a augmenté de 1. Nice. Nous avons gagné, Alex. Avons-nous réussi l'épreuve? J'espère que c'était le dernier monstre. Je n'ai presque plus la force de rester en l'air. Dirigeons-nous vers la sortie, Alex. Mais avant ça, on va faire le tour. Hein. J'ai plus rien. C'est vrai. Allez, bon dodo. Salut Nanatoro, comment ça va? Ok, il n'y a rien d'autre apparemment. Bonjour les enfants, vous êtes arrivés au bout de la grotte de l'épreuve. En tant que nouveau membre de la guilde des mages, vous pouvez commencer à étudier Vein dès à présent. Vous pouvez également réutiliser vos objets. Bonne chance à vous. Que la déesse vous bénisse. Merci, papy.